Je vous reviens. Ok. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Et mon programme ? Oh, ok, monsieur. Vous avez rendez-vous avec monsieur Mustapha à 9h. Ok. Et une visioconférence avec vos partenaires. Et également rendez-vous avec monsieur Desmond à 12h. Ok, Desmond, c'est à 12h, oui, c'est monsieur. Ça ? Oui, monsieur. D'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour. Sharon, apporte-moi une tasse de café et des beignets, ok ? J'arrive tout de suite, monsieur. Salut, Chris. Hey, Henri. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, et toi? Je vais bien. J'espère que tu es prêt pour la réunion. Oui, je le suis. Cela me revient à l'instant. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu regardes. Ok. Ok. Jette un coup d'œil. Tout ça, c'est bien. C'est vraiment bien. C'est très bien. Oh. C'est grandiose. C'est grandiose. C'est vraiment bien. Tu veux dire que... Chris ? Hmm ? Tu vas bien ? Ouais, je vais bien. Ok. T'as toujours des problèmes chez toi ? Dire par rapport à ça. Écoute, Chris. Tout finira par aller. Crois-moi. Je l'espère, frère. De tout cœur. Eh bien, je dois partir tout de suite. Je dois prendre des dispositions pour le comité d'accueil de la société Standish. Ok, tu peux. Vas-y, devant. D'accord. Et, Chris ? Hmm ? Rassure-toi de les épater lors de la présentation, ok ? T'inquiète pas. Très bien. Ouais. Je n'arrive pas à croire que tu aies demandé le divorce. Je n'arrive pas aussi à croire que je l'ai fait. Mais je veux dire, logiquement, ça semble être la seule chose à faire. Il ne m'a pas adressé la parole depuis plus de 4 bons mois. Quoi ? 4 mois ? Tu veux dire que vous n'avez pas eu de rapport depuis 4 mois ? Peut-être même 9. Je n'arrive
n'arrive même pas à y croire. Comment en êtes-vous arrivé là? Tout a commencé il y a de cela un an, quand Jimmy est mort. Les choses sont allées de mal en pire. Si vite, je n'ai rien vu venir. Et pourquoi pendant tout ce temps, tu n'as pas pensé à m'en parler? Je croyais qu'on était amis. Alors que voulais-tu que je dise? Que j'aille à la télé l'annoncer à tout le monde? Oh, mon mari ne m'aime plus. Allez. Je suis vraiment désolée que les choses se soient passées ainsi. Honnêtement, j'aurais souhaité que tu me le dises plus tôt, avant de lui envoyer les papiers de divorce. Bien, j'ai vu que c'était le moment d'aller de l'avant avec ma vie. Je veux dire, je ne peux plus continuer à rester dans une maison avec un inconnu comme mari. Oh, il n'y avait plus d'autre moyen. Je voulais aussi déménager, étant encore mariée à lui. Alors, depuis combien de temps lui as-tu envoyé les papiers de divorce? Ça fait déjà un mois. Et les a-t-il déjà signés? Je ne sais pas. Je n'ai rien reçu comme retour. Et tu penses qu'il le fera? Tu l'aimes encore? Je ne veux même pas. Tout semble être si flou maintenant. Je n'y vois plus clair. C'est évident que tu l'aimes encore. Alors, pourquoi ne l'appelles-tu pas? Parce qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, c'est tout. Oublions ça, je ne veux pas gâcher mon humeur. Parlons d'autre chose. Parlons. La présentation était juste époustouflante. J'ai vu comment le PDG et le président du groupe Stanley étaient en train de sourire. J'ai vu comment ils bougeaient leur tête. Toi et moi, on a eu le contrat. C'est toi le cerveau. Allez, ne jette pas sur moi toutes ces fleurs. Je veux dire, tu mérites toi aussi d'être félicité. Vraiment? Ouais, je veux dire, ton charme a été très important pour cette entreprise. Tes plans et tout ce que tu fais sont juste éblouissants. Mon charme, c'est ça? Alors je mérite des félicitations? Tu mérites des félicitations. J'en mérite, non? Mec, c'est une bonne nouvelle. T'en as parlé à ta femme? Non. Et pourquoi? Gladys et moi n'avons pas échangé un seul mot depuis 10 mois. C'est si mauvais que ça? C'est pire. Elle a demandé le divorce, donc j'essaie juste de retarder un peu. Quoi? Écoute, Gladys et toi êtes comme le couple parfait depuis votre enfance. Je veux dire, une relation comme la tienne ne peut pas se trouver même après 1 million d'années. Ce que tu penses des femmes, mon frère. Un moment, tu en es tellement amoureux et l'instant d'après, tu n'arrives même plus à rester près d'elle. Écoute, je pense que tu devrais lui parler. Mais Kali, Gladys et moi n'arrivons même plus à nous dire un seul mot. Je veux dire, on n'arrive plus à raisonner ensemble. Rien n'a absolument plus aucun sens. Écoute, Chris, Allez, je t'ai dit que Gladys et moi n'arrivons même plus un seul instant à communiquer. Je t'ai dit qu'on n'arrive même plus à se comprendre, alors avançons. Je vais juste lui remettre ses foutus papiers. Je les ai déjà signés, alors demain, quand nos chemins se croiseront, alors je vais juste les lui remettre. Ça, c'est une soirée pour fêter. On a eu un gros client, alors il faut le célébrer, arrêtons de parler de choses tristes. Allez, trinquons. Ouais. Ouais, à toi, mon frère. Ouais. Milliardaire, jeune milliardaire, pas vrai? Désolé, je devais aller aux toilettes. Ok. Making me cry. I really cannot just comprehend.
your ways and all you say. Maybe it's something else in me that's causing me pain. Bonsoir. Ok, laisse-les entrer. Qui est là? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Je suis monsieur Clement. Et voilà mon associé, Teslim. Bonsoir, madame. Bonsoir. J'espère que vous allez passer une magnifique journée aujourd'hui. Oui, monsieur. Merci. Mon mari vous a envoyé, c'est ça? Oui, c'est le cas. Ok. Alors, pouvez-vous nous montrer où ranger les affaires? Ok. Vous pouvez les ranger là. Où sont les choses? Nous préférons attendre votre mari, bien sûr. Dans ce cas, je pense que vous devriez partir et revenir quand il sera de retour. Non. Nous aimerons rester. Voilà. Mon mari ne vous a pas envoyé. L'a-t-il fait? En réalité, non, il ne l'a pas fait. Bienvenue, Chris. Qu'est-ce que ceci veut dire? Vous ressemblez à un homme qui sait se défendre. Range-moi ce putain de truc. Je ne veux plus voir ça. Après tout, il y a un couteau sur la gorge de votre femme. Bien sûr, vous devez tout simplement coopérer. Veuillez pardonner mes hommes maladroits. On a eu du mal à trouver cet endroit. Je me nomme Monsieur Clement. Je vous en prie. Veuillez vous asseoir. Voulez-vous partager un verre avec moi? Désolé, je ne bois pas. Ne soyez pas un invité récalcitrant. Bon, techniquement, c'est votre maison, mais... peu importe. Après tout, nous sommes des amis, pas vrai? Sauf si vous voulez-vous que j'agisse comme un ennemi. Apporte-moi un autre verre. Ne sois pas un crétin si ennuyeux.
La soirée commence à peine. Ne soyons pas pressés, Chris. Gardons nos énergies. Et buvons du vin. Chouette homme. Très bon. Alors, Chris, bavardons un peu. Dis-moi, comment était la journée? Allez, allez, mec. Arrête d'avoir peur. Parle-moi. Ok, ok. Je pense qu'il est juste que je commence en premier. Alors, je me lance. Ma journée était... Un instant. Tout va bien. Ne m'appelle plus à nouveau. Je te tiendrai informé de la prochaine étape. Je t'entends parler de ma journée. Tu sais quoi, mettons ça de côté pour l'instant. Je voudrais m'entretenir avec mes hommes. Tu seras conduit dans l'une des chambres de la maison et Teslim fera en sorte que tu sois bien traité. Je t'enverrai ta femme. Allez. Ça, c'est un très bon vin. Voyons, très bon. Blessé? Non. Merci. Tu me remercies? Pourquoi? De demander et aussi de me parler. Je me demande comment ils ont réussi à traverser la sécurité. La sécurité a appelé la maison, disant que les hommes avaient une livraison pour toi. Alors je leur ai dit de les laisser passer. Quoi? Tu as fait quoi? Tu as dit à la sécurité de les laisser entrer. Tu n'as pas pensé à m'appeler avant et me le demander si je les avais vraiment envoyés? Es-tu sérieusement en train de me poser cette question? On dirait vraiment que tu n'as absolument rien appris. Rien du tout. Vas-y. Pourquoi n'oses-tu pas le dire? Si seulement j'étais un peu plus attentive, Jamie ne serait pas mort, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Oh, mais c'est ce que tu voulais vraiment dire. C'est de ma faute si Jamie est mort. Je l'ai tué. Es-tu content maintenant? Oui! C'est de ta faute! C'est entièrement de ta faute!
Je te l'ai répété plusieurs fois. Je te l'ai répété plusieurs fois. Ne sors pas avec lui, mais... Non, je t'ai dit que je serai à la maison dans 20 minutes, juste... Juste 20 minutes, mais... Tu n'as même pas pu attendre juste 20 minutes. Tout ce que je voulais... Mais quoi? Quoi? Tu avais ce client si important à rencontrer par tous les moyens, comme si toute ta vie dépendait de lui. Et tu l'as pris avec toi. Tu l'as emmené avec toi. Tu étais concentré sur ta stupide conversation et je ne sais même pas de quoi est-ce que tu parlais. Tu n'as même pas vu Jimmy qui marchait en allant vers la voiture qui allait à vive allure. Tu ne l'as pas vu. Qu'est-ce que tu veux de moi, Chris? Je t'ai demandé pardon. Je t'ai supplié de me pardonner. As-tu pensé à comment je pouvais me sentir? C'était aussi mon fils. Je l'ai porté pendant 9 mois. Mais tu l'as simplement sacrifié. Tu as sacrifié d'autres fils. Pour quelle raison? Une simple conversation, une simple causerie avec un client. Combien est-ce qu'ils t'ont payé? Combien est-ce que t'as eu? Combien? J'espère bien que cet argent, peu importe où il est, aura exactement la même valeur que la vie de notre fils. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je sais que la vie ne s'achète pas au marché. Je vais porter cette culpabilité le restant de ma vie. Oui, mais tout cela ne ramènera jamais notre fils. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à le comprendre? Jimmy est parti. Ça ne le ramènera pas. J'espère juste qu'avec tout ça, tu auras tiré une leçon. Dieu seul sait pourquoi tu as ouvert la porte à des criminels et les laissé entrer. Dieu seul sait quels seront encore le prix à payer cette fois. Et si seulement tu avais pris le téléphone et tu m'avais appelé, juste m'appeler, me demander si j'avais envoyé des gens à la maison. Quand était-ce la dernière fois que tu m'as parlé? Quand était-ce la dernière fois qu'on s'est échangé un simple bonjour ou un bienvenue? Quand? Et tu te demandes vraiment pourquoi je ne t'ai pas appelé? Et voilà le moment que j'attendais. Je pourrais tout à fait te poser la même question. Quand? Je suis ton mari. Quand est-ce que pour la dernière fois, tu as cuisiné un simple repas pour moi? Oh oui, quand? Quand était-ce la dernière fois que tu es venu près de moi et qu'on a partagé le même lit, ensemble? Un couple? Quand? Mais ce n'est pas de ma faute. Si tu savais à quel point j'aurais voulu partager le même lit que toi. À quel point je voulais être dans tes bras. Mais j'avais peur. Je me souviens que tu m'as dit que si je cuisinais même quelque chose, tu n'allais pas le manger, de peur de mourir d'empoisonnement. Et si... Et quoi encore? Quoi? Pourquoi tu n'as pas fait à manger? Prépare ces putains de nourriture et attends de voir si je vais la manger ou pas. Celle qui a toujours raison, c'est toi. Tout est pour toi comme un ordre. Oh, chaque mot qu'on prononce, tout ce qui te dépasse, est une preuve. Tout doit être toujours comme tu le veux. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? De tout! Je parle absolument de tout! Rabat cette cuillère, Chris. Ne pose pas ta culotte ici, Chris. Lave tes pieds, Chris, avant de te coucher sur ton propre lit. Absolument tout! Dépose la télécommande à sa place, Chris! Je ne peux même plus marcher librement dans ma maison. Ne parlons même plus de toucher ma propre femme. Mais qu'est-ce qu'il y a même de mal à ça? Regarde comment ta chambre est en désordre.
Je dois toujours nettoyer derrière toi. C'est tout? C'est ça, t'as raison? Qu'en est-il du sexe? Est-ce que ça doit toujours être la même position? Avec les mêmes postures et les mêmes couleurs de drap? Je croyais que tu aimais ça comme ça. Tu ne t'es jamais plaint. Ça ne t'a jamais dérangé. Juste un peu d'attention envers moi te tuerait. Je croyais qu'il y avait une guerre ici. Dieu merci, nous sommes dans un très bien quartier. Eh bien, j'espère que je ne suis pas responsable de la discorde dans votre couple. Vous n'êtes absolument pas les bienvenus. Pouvez-vous me dire ce que vous attendez exactement de nous? Prenez absolument tout ce que vous voulez, sortez de ma maison! Ne sois pas si dur. À ta place, j'embrasserai ta femme sur cette bouche. Tu as raison. Tu mérites connaître ce que je veux. Allons-y. Et qu'en est-il d'elle? Je ne sais pas. La conversation, c'est juste entre nous. D'homme à homme. Tu ne voudrais pas qu'on te tue? Juste parce que tu aurais décidé de crier, hein? Gentille fille. Bâillonne sa bouche. Prends place. Vous voulez quoi? D'un moment à l'autre, l'un de mes clients arrivera au portail. Je veux que tu... appelle les gardes de la sécurité pour qu'ils puissent entrer. Et pourquoi est-ce que je ferais ça? Écoute, généralement, c'est la partie où je te torture pour que tu puisses coopérer. On doit parler de choses pertinentes. C'est pour notre bien. Et pourquoi viennent-ils ici? Oh, je les ai invités à dîner. Donc, si j'appelle la sécurité, je leur demande de laisser passer votre invité. Vous allez partir de chez moi. Bien évidemment. Tiens ma parole. Je suis un homme de parole. Ok. Alors je le ferai. Ah. Super. Ça c'est super. Voudrais-tu boire un peu de vin? Non. Mais allez, nous sommes sur le point de fêter. Nous devons avoir l'esprit détendu. Ah, ça doit être ton téléphone. Oh, le gardien. Allô? Ils disent qu'ils sont deux. Il a sûrement amené un invité. Peut-être. Ouais. Ok, laissez-les passer. Ok, merci. Bye. Formidable. Tu vois, j'ai un pressentiment qu'on sera des amis pour la vie.
La seule chose que je veux, c'est que vous partiez de chez moi, pour de bon. Oh, avec le temps. Avec le temps. Oh, encore une chose. Peu importe la conversation que nous aurons pendant le dîner, je veux que tu sois d'accord avec tout ce que je dirai. Bien. Formidable. Ah, ils sont là. Formidable. Wow. Tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait, mec. Je vous en prie. Oh, mais ça, c'est vraiment très beau. Je suis ravi. Salut. De vous rencontrer. Ouais, tout le plaisir est pour moi. C'est un plaisir. Oh, ravissant. Ouais. Vraiment très ravissant. Oh oui, c'est d'un autre genre. C'est joli. Ravissant, très vrai. Ravissant, magnifique. C'est magnifique. Magnifique. J'aime ça. Elle est d'une magnificence. Lui, c'est Chris. Oh, comment allez-vous, Chris? Ravi de vous rencontrer. Et lui, c'est Maître John. Oh, ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer, bien, maître. Oh, eh bien, ce serait vraiment un très grand plaisir de voir votre femme. Ma femme? Oui, bien sûr. Elle, Ellie Alitash. Oh, une seconde, je crois bien que qu'elle... Elle n'est vraiment pas très en forme et oh, elle est allée se coucher un peu plus tôt. Et je pense qu'elle sera en forme demain matin. Je l'espère aussi, merci. Bien, dans ce cas, est-ce que je peux faire le tour de la maison? Fantastique. Vous voulez faire le tour de la maison? Oui. Fantastique. Je propose qu'on commence par la chambre. Génial. Ah, c'est parfait, une idée formidable, c'est formidable. Oui, mais je ne pense pas qu'on puisse travailler l'estomac vide. Ah, oui, le dîner est prêt et il nous attend. Eh bien, là, tu as raison. Dites-lui encore. Alors, c'est de ce côté-là. Allons-y. Je vous en prie. Très bien. Messieurs, passons aux choses sérieuses. J'espère que vous savez tout ce qui nous rassemble à cette table. Vous le savez pas vrai? Eh bien, mon client et moi sommes prêts à payer 400 millions de naira. Maître, vous ne me comprenez pas bien. J'ai dit 500 000 naira, pas moi. Je pense que vous savez que ceci vaut plus cher. Eh bien, c'est la plus grosse offre que mon client et moi puissions faire. C'est à prendre ou à laisser. C'est exact, maître. Mais j'aime beaucoup ce que je vois. Et alors si je vous donnais 480 000... Vous venez de conclure le marché. Oh, bien. Bien. Alors, quand aurai-je l'acte de propriété de la maison? Quoi? De quoi? De quoi êtes-vous en train de parler? Je crois qu'il faut lui rafraîchir la mémoire. Allons, Chris. Je veux dire, l'acte de propriété de la maison que nous allons vendre. Vous avez un truc qui ne va pas dans votre tête. Vous osez. Chris. Je ne pense pas que tu voudrais que je passe un appel à Teslim pour qu'il l'exécute. Que dirais-tu, Chris? Je vous ai bien eu, pas vrai? Je vous ai eu. Ok, c'est bon.
Alors que diriez-vous qu'on vous remette l'acte de propriété de la maison la semaine prochaine? Eh bien, ce sera génial. Oui, bien, bon, c'est super inconvénient. Oui, bien sûr. Pourquoi renvoyer la semaine prochaine ce qu'on peut faire demain? Eh bien, concluons l'affaire pour que nous puissions transférer l'argent. Que pensez-vous? Bien. Eh bien, alors, demain, c'est bon. Ah, bien. Trinquons. Ouais, ouais, bien sûr. Allons-y. Trinquons. De bons amis. Trinquons. Ouais. Trinquons. Oh, d'accord. Bien. Merci pour le repas et la boisson. Je pense qu'il est temps de partir maintenant. Ouais. Monsieur Clément demande que tu viennes avec elle. Mon amour. Assieds-toi, Chris. Tu vois? Je suis quelqu'un de bien. Aucun mal n'a été fait à ta femme. Madame. Le dîner est prêt. Je n'ai pas faim. Oh, mais tu sais que ce n'est pas vrai. J'ai dit que je n'étais pas intéressée. Peut-être voudrais-tu d'abord voir ce qu'on a cuisiné avant de le dire. Es-tu sourd? J'ai dit que je n'avais pas faim. Oh, excitant. Ah, j'aime ça. Allez, mon cœur. S'il te plaît, il faut que tu manges quelque chose. Essaie juste de manger quelque chose, je t'en prie. Ok. Ok, tu vois. Maintenant, ton mari et moi sommes de bons amis. Écoutez, je ne serai jamais l'ami d'un criminel tel que vous. Ouch. Ça fait mal. Mais pas la partie criminelle, bien sûr. J'aime être un criminel. Mais tu vois, nous sommes tous, sauf différents. Vous êtes fou. Enfin, les composants. Malgré que ce que les autres appellent folie, j'appelle plutôt ça génie. Hein? Mais, revenons à nos moutons. Tu as réussi le premier test avec bravoure. J'avoue que je suis impressionné par la façon dont tu as géré la situation. Mais c'était juste la première phase. Maintenant, la phase 2. Je sais que tu ne gardes pas les documents de cette maison. Tu les gardes avec ton avocat. L'avocat Humphrey. Surpris? Je savais que ça te surprendrait. Mais allez, j'ai fait mon devoir. Alors, Teslim, ici présent, va t'accompagner demain dans le bureau de ton avocat. Et tu récupéreras les documents. Et ensuite, tu me les rendras. Et je les donnerai à Monsieur Stephen, et on sera payé.
et je te sortirai de la tête pour de bon. Vous voyez, je me demande une chose. Pourquoi m'avoir laissé m'asseoir à ces tables avec eux? Je veux dire, vous n'êtes pas du tout inquiet du fait que je vois tous vos visages et je connaisse vos identités. Vous n'êtes pas inquiet du fait que j'aille à la police. Ou alors, vous avez prévu de me tuer, m'éliminer simplement, compte tenu du fait que je les ai tous vus et je suis lucide. Vous ne devriez pas juste en finir avec moi. Eh bien. Mais le plus important. Donc, vous avez envisagé de me tuer, pas vrai? Ouais. Ouais. Tu devrais voir ton visage. Bien sûr que non, je veux dire. Nous sommes des amis, pas vrai? Tu veux dire, ne le sommes-nous pas? Bien que cette idée m'ait traversé la tête. De toute façon, quant à aller à la police, je sais que tu ne voudrais pas m'offenser en le faisant. Et d'ailleurs, tu n'as aucune preuve. On dira que c'est la chaîne CCTV qui est venue faire un tournage ici. De plus, tu devrais savoir que j'ai actuellement ouvert un compte bancaire en ton nom. Ouais. Avec ta signature et ton passeport. Ne sois pas surpris que je connaisse le mot de passe de ton compte bancaire. Ouais. J'ai également lié ton compte au leur. Alors, les documents seront signés par toi. L'argent sera également reçu par toi dans ce compte. Et tu auras l'enregistrement intégral de la transaction. Et tu n'auras rien. Tu es très attentif. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Je vous le promets. Oh non. Non. Je m'en sortirai. On s'en sortira. Ça. Avant que tu fasses quelque chose à propos de tout ceci, on sera déjà hors du pays et de vos vies. Ne sois pas si triste. Tu es très surprenant. Après tout, tu as été d'une grande importance à l'accomplissement de ce contrat. Devine quoi d'autre? Tu auras une part. Oh oui. Tu ne pensais quand même pas que j'allais laisser mon partenaire les mains vides? Je vais te signer un chèque de 80 000 naira pour que tu puisses te trouver une maison. Tu les as mérités. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi moi? Il y a tellement de personnes qui vivent dans ce pays. Pourquoi m'avoir choisi? Qu'est-ce que j'ai bien pu vous faire? Te souviens-tu d'un certain jeune homme nommé Samson?
Non, certainement, tu t'en souviens plus. Tu dois sûrement le connaître. Son nom de rue est... L'arnaqueur est son autre surnom. C'est Sam Cash. D'après ce que j'ai entendu, il te voyait comme un grand frère du milieu qui a eu du succès, et après ça, il a eu des problèmes avec la justice. Il devait quitter le pays et débuter une nouvelle carrière ailleurs, et il avait besoin d'argent. Il est venu te voir. Dans une certaine maison. Pour conclure un achat. Et en ce temps, elle valait 400 milliards de naira. Mais tout ce que tu as pu lui offrir, c'est la maudite somme de 5 milliards. Mais ce sont juste des affaires. Rien d'autre que les règles du business. Les affaires. Les affaires. Est-ce que tu savais que ce jeune homme avec qui tu avais traité tes affaires est mon unique frère. Et oui, nous ne sommes que deux. Sais-tu que cette affaire que tu as traitée avec lui l'a menée à la dépression et a fait de lui un résident permanent à l'hôpital psychiatrique de Bengodar. Ton affaire m'a pris quelqu'un de très précieux. Tu as aussi privé ma famille de son élément le plus précieux. Ai-je répondu à ta question? Je ne reprends que ses parts. Ouais. J'en prends de tes mots. Ce sont juste les affaires. Boss. Mais il y a un retour pour toi, Moi. J'espère que tu apprécies ton repas. Tu devrais aller te reposer maintenant. Va en enfer! Rien que du bon temps ici. Que du bon temps. Mais je pense qu'à présent, nous avons besoin du repos. Mes gars vont vous raccompagner à l'étage. Et vous ligoteront. Et s'il te plaît, Chris,
Ne fais rien qui pourra les énerver. On se verra demain. Debout, 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 le soleil s'est levé, les oiseaux chantent. C'est une nouvelle journée. Et je suis en pleine forme ce matin. Je suis très ravi que vous ayez pu vous amuser. Sous ces conditions, bien sûr. Je comprends comment dur cela pouvait être. Mais il faut avouer que je vous traite bien. Vous êtes parfaitement à l'aise. Tu vois, c'est ce que font les amis. Pouvez-vous foutre le camp de chez moi? Je veux juste reprendre le cours normal de ma vie. Ce ne sont pas des manières, ça. Va droit au but. De retour aux affaires. Je l'aime bien. Teslim, aide-le à se changer. Il va rendre une petite visite à son avocat. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Bientôt, tout ira bien. Vous savez pourquoi je préfère les couteaux et je déteste les fusils? J'aime la discrétion. Je pourrais tuer un homme avec un fusil, mais... Quel plaisir gagnerais-je? Écoute. J'aime bien... Regardez dans les yeux de ma victime. M'asseoir devant quand la lumière s'éteindra. Et imaginez le son du couteau qui tranche. Le son. Le son de tes cris. Ah! Il est préférable que je ne décrive pas ça. Tu dois l'expérimenter de toi-même. Vous êtes un malade. Un malade. Je n'ai que commencé hier. De toute façon... essaye juste pas. N'essaie juste pas de faire quelque chose de maladroit. Ouais. Il y a un million de choses que je pourrais... lui faire. Alors, retournons aux affaires, d'accord ?
Je croyais que t'as dit que nous étions amis. Je t'aime bien. Nous sommes amis. Mais aussi... des partenaires. Maître. Chef. Rassure-toi que tous les documents soient complets, hein? C'est compris, chef. Bien. Un avocat? Bien sûr. Tu ne pensais pas que nous étions en commun, n'est-ce pas? Je lui ai déjà dit de m'appeler après chaque 5 minutes. Donc, fais en sorte qu'il ne l'oublie pas, hein? Bien. Allez-y. Alors comment se fait-il qu'un avocat, quelqu'un qui a juré devant la loi, se retrouve-t-il impliqué dans un vol, une extorsion, un kidnapping? Qu'est-ce qui vous a pris, hein? C'est tout ce que tu as pu trouver comme excuse pour que je me sens coupable, pour aider ta femme et toi à vous enfuir. Ferme-la. Allô? Oui, maître. Comment allez-vous? Ouais, s'il vous plaît, préparez juste les documents de la maison, ok? Oui, comme je vous l'ai dit, je serai là bientôt. Oui, tout va très bien. Tout est ok, on en discutera à mon arrivée. D'accord, pas de problème. Oui, je suis au bureau. Oui, bien sûr. Oui, je t'attendrai. D'accord. Bonjour, Stella. Bonjour, monsieur. À l'intérieur. Oui, bien sûr, il vous attend. Oui, chef. Oui, nous sommes actuellement au bureau. Ok. Prends ceci. Monsieur Clément est à l'écoute. Alors s'il te plaît, n'essaye pas de couper l'appel. Tu sais ce qui arrivera si tu essaies. Ah! Monsieur Chris! Maître, comment vas-tu? Bonjour! Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Et vous? Je vais bien. Et la famille? La famille se porte bien. Oh, génial. Je vous en prie. Eh bien voilà, vous m'avez appelé il y a quelques heures et vous m'avez dit vouloir les documents de votre propriété. Ouais, c'est pour cette raison que je suis là. Si je peux me le permettre, est-ce que d'une manière ou d'une autre, j'aurais fait quelque chose qui vous aurait offensé? Non. Non, pas du tout. C'est... Vous voyez, le problème, c'est que la sœur de ma femme est également avocate et je me suis dit qu'il serait préférable de confier mes documents les plus précieux à un proche et je voudrais commencer par mon bien le plus précieux, donc ma maison. Votre femme est-elle d'accord pour que je vous remette ces documents?
Ouais, je sais, mais... vous voyez, elle ne le sait pas et je voudrais que ce soit une surprise pour elle. Monsieur Chris, écoutez, je sais que je suis votre conseiller. Mais en tant qu'ami, je vous le demande, êtes-vous sûr? Êtes-vous vraiment sûr de prendre la bonne décision? Maître, ne vous inquiétez pas, c'est bon. J'ai beaucoup pensé à tout ça et je sais que c'est la bonne décision, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ok, si vous insistez, il n'y a donc rien d'autre que je puisse faire. Ok, merci, c'est juste. Ok, okay. Je vous apporte les documents. Ok, merci. Patientez une seconde. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, ça va, c'est bon. Oh, ok, très bien alors. Ok, les voici. Désolé, je n'ai vraiment pas eu le temps de vérifier les dates et tout ce qui va avec. Je suis vraiment désolé, ok? Oh non, c'est bon, c'est bon. Ça ira. Merci infiniment, maître. J'apprécie vraiment vos efforts. Merci. Ok, merci. D'accord, passez d'accord, une bonne journée. Maître? Oh oui, et puis-je faire autre chose pour vous? Non, c'est juste que je me disais que... vous pouvez peut-être m'aider à avoir une autre propriété d'une valeur de... disons 80 000 Naira. Oh, waouh. Je pense avoir quelque chose à... Je pense avoir quelque chose à ce prix. Avec le bien idéal au bon endroit, au prix que vous voulez. C'est un endroit très formidable. Croyez-moi, vous allez vraiment adorer. Ok, que dites-vous? Ah, la semaine prochaine, c'est bon. La semaine prochaine, c'est ça? Ouais, ok. La semaine prochaine. Ok, prenez bien soin de vous, d'accord? J'espère que tout ira bien. Vous aussi, à bientôt. Ok, d'accord, okay. À très bientôt. Ok. Je vais vous laisser. Les documents. Pourquoi es-tu retourné à l'intérieur? Qu'est-ce que tu essayais de faire? Je demandais juste une propriété qui pouvait coûter 80 millions de Naira. Au prix des miettes que vous m'avez données. Ok. J'espère que tout est correct. Allez, allons-y. L'écouteur. C'était là. Passez une bonne journée. Ouais. Bonne journée. Tu vois, je suis un homme de parole. Je vais maintenant te laisser passer du temps avec ta femme. Pendant que Teslim et moi allions voir M. Stephen. Maintenant, sois sage. Souviens-toi. Nous sommes partenaires, ok? Laisse-le entrer, mec. Et reste devant la porte au cas où il voudrait quelque chose. Je pense bien qu'ils ont besoin d'intimité. Il ne t'a rien fait. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Oui. Tu vois. Écoute, voilà ce qu'on va faire pour s'échapper. Quoi? Ce type est juste derrière la porte. Écoute, tu vas faire le guet par la fenêtre. Et moi, bien sûr, je me charge de celui qui est à la porte avant que l'autre ne monte. Es-tu sûr? Quelle idée as-tu en tête? Écoute, j'en suis sûr. Suis juste mon plan, ok? Fais ça, comment okay. Je te demande, ok? Ok.
Hé, à l'aide! À l'aide! À l'aide! Ma femme! Ma femme! Ma femme! À l'aide! À l'aide! Ma femme! Et... ma femme! Il est mort? Est-il mort? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a? Surveille-le bien. J'ai besoin d'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Quoi? Sécurité! Oui, que se passe-t-il? Il y a des kidnappeurs dans mon maison! Kidnappeurs? Oui, des kidnappeurs! Si vous appelez la police! Alors, on y va! Nous avons essayé de nous échapper, mais j'ai été vraiment trop stupide. Nous nous sommes précipités dans la voiture sans réfléchir. Et voilà où ça nous a menés. Allez, ne sois pas si dur avec toi-même. Comment aurais-tu pu savoir? J'aurais dû être plus intelligent. S'il te plaît, arrête de dire ça. Je suis vraiment déçu par toi. Je croyais qu'on était amis. Amis? Vous croyez être mon ami? Vous débarquez chez moi, vous pointez des couteaux sur nos gorges. Vous avez vendu ma putain de maison et vous dites être mon ami? C'est ce que vous êtes pour moi? Tu as blessé mon cœur. Je pensais qu'on était amis, j'ai cru que nous allions le rester pendant longtemps, mais... je ne te fais même plus confiance. Comme tu le vois, j'étais censé te donner ceci, mais... tout ça m'appartient maintenant. Vous irez en prison. Je m'en chargerai. Bien. Nous pouvons maintenant passer à la prochaine étape. Quelle prochaine étape encore? Bien, je devais vous laisser. La vie sauve, mais... comme j'ai dit, je ne te fais plus confiance. Si je vous laisse vivre, vous irez à la police porter plainte. Mais qu'est-ce qui prouvera que vous dites la vérité? Si je tue l'un d'entre vous, et que l'autre va porter plainte à la police, sans aucune preuve, ni témoin pour confirmer votre histoire, alors la police ne croira pas et laissera l'affaire. Donc, maintenant je vais m'en aller et vous laisser quelques minutes pour y réfléchir. Et décider qui va mourir et qui aura la vie sauve. Quand je reviendrai, je veux votre réponse. Ils te laisseront la vie sauve. Non, arrête! Tu es le seul à pouvoir identifier les hommes qui ont acheté la maison.
Alors tu peux aller à la police et faire en sorte qu'il soit interpellé. Allez, ferme-la. Tu ne sais vraiment pas ce que tu dis. Allez, ferme-la, ok? Arrête. As-tu arrêté ça? Tu sais que j'ai raison. Chris, laisse-moi faire ceci pour toi et moi, pour nous, s'il te plaît. Allez, arrête. Allez, arrête ça. Arrête de dire ce genre de choses. Non. Je le ferai pour nous. Alors, quand j'irai au paradis, je verrai Jamie et je lui dirai combien de fois tu l'aimes. Peut-être il était trop jeune pour le savoir. Arrête. Arrête de dire ce genre de choses. Ok? On trouvera une solution. Très bien. Levez-vous. Alors, qui va mourir? Tu sais très bien que je t'aime. Je t'aime tellement. Je t'aime encore plus. Je t'ai perdu une première fois et je ne te perdrai pas une fois de plus. Je ne pourrai pas vivre sans toi. Ce n'est pas un théâtre d'amour ici, je vous en prie. On n'a pas toute la journée. Maintenant, dites-moi qui va mourir. Tu devras nous tuer tous les deux. Tuez-nous tous les deux. Vous croyez que ceci est un jeu? Tu veux que ta femme meure? Sois un homme et sacrifie-toi pour elle. Je ne vivrai pas sans lui. Alors si vous voulez tuer quelqu'un, tuez-nous ensemble. Amène-les. Henri, que se passe-t-il ici? Avez-vous essayé de discuter avec eux? J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Et je suspecte que l'un des deux veut le divorce. Et alors? Les gens divorcent chaque jour. Les gens le font comme s'ils changeaient de vêtements. Et puis, aussi dur qu'il paraît, c'est un fait. Écoutez, si ça se termine en divorce, Chris se retrouvera misérable le restant de sa vie. Et si un divorce était inévitable? Et s'il n'y avait plus d'amour? Écoutez, je vous dis que je connais ces deux depuis qu'ils sont tout petits. Et ils se sont toujours aimés. Et je peux toujours le voir dans leurs yeux. Mais eux-mêmes ne le voient pas. C'est parce qu'ils sont tellement aveuglés par le chagrin. Et je veux qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Je pense que Monsieur Clément pourra les aider. Comment? Tenez, voilà le plan qu'on a conçu pour aider votre ami Chris. C'est bon. Wow. Eh ben, c'est très bien. C'est très bien. Merci. Il nous a fallu beaucoup de choses pour mettre ce plan sur pied. Oh, formidable. Mais j'ai quelques questions. Ok. Voyez-vous, Chris est un homme très intelligent, rusé et aussi fort. Il a également des amis très haut placés. Ok. Avez-vous mesuré l'ampleur des choses en mettant ceci en place? Il n'y a absolument rien à craindre. Monsieur Steve aura des hommes carrés devant sa maison.
Bon, qu'au cas où ils essayeraient de s'échapper, il se retrouvera dans les filets de ces comédiens qui se feront passer pour des policiers. Oh. Oui, il n'y a rien à craindre. Tout est sous contrôle. C'est formidable, c'est très bien réfléchi. Merci. C'est parfait. Merci. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Teslim. Je t'ai dit que Gladys et moi n'arrivons même plus un seul instant à communiquer. Je t'ai dit qu'on n'arrive même plus à se comprendre, alors avançons. Je vais juste lui remettre ses foutus papiers. Je les ai déjà signés, alors demain, quand nos chemins se croiseront, alors je vais juste les lui remettre. Ça, c'est une soirée pour fêter. On a eu un gros client, alors il faut le célébrer. Arrêtons de parler de choses tristes, tristes. Allez, trinquons. Ouais. Ouais, mon frère. Ouais, milliardaire, jeune milliardaire, pas vrai? Ouais. Désolé, je devais aller aux toilettes. Ok. Allez, décroche, 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 décroche. Oui, allô? Oui, oui, écoute. Écoutez, écoutez-moi bien. Vous devez faire la chose très rapidement maintenant. Sa femme a envoyé les papiers du divorce. Oui, et il les a déjà signés. Ok, maintenant, écoutez, écoutez. Oui, vous devez agir très vite, ça doit être fait ce soir. Oui, ce soir. Oui, s'il vous plaît. Faites en sorte que... Oui. D'accord. Ok. D'accord. Oui, merci. Ok, ok. Je pense qu'il est juste que je commence en premier. Hmm? Alors, je me lance. Ma journée était... Un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste vous faire savoir que Chris est en train de rentrer maintenant. Tout va bien. Je t'ai demandé de ne plus m'appeler. D'accord. Je voulais juste me rassurer que tout se passe bien là-bas. Tout se passe bien. Ne m'appelle plus. Je te laisserai savoir lorsque tu dois prendre départ. Ok, d'accord. S'il vous plaît, vous devez lui faire comprendre. Allô? Allô? Il a éteint. Je racontais ma journée. Tu sais quoi, mettons ça de côté pour l'instant. Je voudrais m'entretenir avec mes hommes. Oui, tout va très bien. Tout est ok. On en discutera à mon arrivée. D'accord, pas de soucis. Oui, 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 je suis au bureau. Oh, bien sûr. Et oui, je vous attends. Ok, au revoir. Merci. Désolé, j'étais au téléphone avec Chris. Êtes-vous sûr que ce soit la meilleure chose à faire? Écoutez, maître, il viendra ici avec les documents, je veux dire. Ça prouve que c'est la meilleure solution. Sauf si vous voulez qu'il divorce. Je suis qu'un avocat. Et si quelque chose se passait mal, il est hors de question. Il est hors de question que je laisse ces gars mettre la main sur les documents originaux de cette maison. Écoutez, maître, c'est simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de remettre les documents à Chris. Et quand il sera en train de partir, je les changerai avec le type. Et je ramènerai les documents originaux. Henri, êtes-vous sûr que ceci va marcher? Maître, je vous promets, je ramènerai les originaux. D'accord. Très bien. Je vais apprêter les documents. Mais vous devez vous dépêcher de vous en aller. Parce que je ne veux pas que vous croisez Chris en sortant. Oui, d'accord, je comprends. Il n'y a pas de souci.
Maître, s'il vous plaît, faites en sorte que ça se passe bien. Ok? Ne vous en faites pas! Partez! Partez! Merci. Je vous en prie. Merci, maître. Voici les documents. Je crois bien que mon travail ici est terminé. Vous pouvez me remercier maintenant. Je vous souhaite le meilleur. Allons-y. Henry. Henry. Qu'est-ce que tu veux? Chris? T'es pas venu au bureau depuis 5 semaines maintenant. Je n'ai absolument pas besoin qu'on me le rappelle, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Écoute, Chris, je suis désolé, j'essayais simplement de t'aider. Oh, vraiment? Écoute, mec, je pouvais pas regarder ton mariage s'envoler comme ça. S'il te plaît, essaye de comprendre, ok? Compréhensible. Compréhensible. Tu veux que je sois compréhensible? Après ce que tu as fait endurer à ma femme et à moi, la torture, la douleur, le traumatisme. Et maintenant, tu voudrais utiliser notre amitié comme excuse pour justifier ce que t'as fait? J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Tu l'as saisie? Ouais, tu l'as saisie. Juste comme ça. Sans te soucier de ce qu'on pouvait endurer, pas vrai? Quel genre de personne es-tu? Quel type d'ami es-tu? Chris, je suis désolé pour la torture et la douleur que vous avez endurée, je suis désolé. Henry, tu as pris des informations confidentielles, des informations privées qui me concernent privées, et tu les as remis à un parfait inconnu. Et si ces fauteurs de troubles, ces voyous, s'étaient enfuis avec les documents de ma maison, qu'est-ce que t'aurais fait? Dis-moi. Écoute, les documents ont été remis à ton avocat. Les documents ont été changés. Quand t'es arrivé au bureau avec l'autre type, on a remis les documents originaux à l'avocat. De plus, c'était juste une mise en scène. Monsieur Clément, c'est un acteur professionnel. Ils sont tous des acteurs. Chris, écoute, c'était juste une mise en scène. Tu sais quoi? Je ne veux plus entendre une minute de plus tes excuses. Ce que je veux, sors de ma maison, Henry. Henry, j'ai dit sors de chez moi, je ne veux plus t'adresser la parole. Juste, sors juste de ma maison, s'il te plaît. S'il te plaît, sors de chez moi. Mec, écoute, je suis désolé, d'accord? Je veux juste retrouver mon ami, s'il te plaît. La semaine prochaine, c'est mon anniversaire et j'aimerais que tu viennes avec Gladys. Je suis désolé. Bébé?
Ouais, bébé. Henry est parti? Ouais. Il est passé pour nous inviter à son anniversaire le week-end prochain. Tu ne veux toujours pas lui adresser la parole alors, n'est-ce pas? Je ne veux pas lui parler, bébé. Je ne suis pas encore prêt. Tu es sûr que tout va bien? Ouais, je vais bien. Ça ira, hein? Ça ira. Ah. Je t'aime, toi. Je t'adore. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Rien. T'en es sûr? Vas-y, dis-le. Je ne veux plus jamais te quitter. Je t'aime, mon cœur. T'es trop chaud. Quoi? Tu sais, à un moment, tu devras lui pardonner. Il essayait juste de l'aider. Ouais, je le sais. J'ai une bonne nouvelle. Mais tout d'abord, tu devras me promettre d'aller à la fête d'anniversaire de Henry, si je te le dis. Ok. Qu'est-ce que c'est? Promets-le-moi d'abord. Ok, je te promets qu'on assistera à l'anniversaire d'Henry. Ok. Quelle est la bonne nouvelle? Ok, Quoi? Je suis enceinte. Quoi? T'es sérieuse? Ouais. Bébé? Ouais. Mais c'est formidable. Ouais. Bébé, t'es sérieuse? Sérieux, je suis enceinte. Oh mon Dieu! Viens par là. T'es enceinte. Bébé, t'es à combien de semaines? Deux semaines. Deux semaines? Deux semaines. Oh mon Dieu! Oh bébé! Alors, maître. Ouais, je m'amuse bien, maître. Comment vas-tu? Ah, oh, Chris. Alors, tu t'amuses bien? Ben, je m'amuse bien, mec. Regarde qui est là. Oh, incroyable. Monsieur Clément. Monsieur Clément. Ouais, monsieur Stephen. Stephen? Tout le monde se porte bien. Oh, ok, mais je... Ravi de vous revoir. Je ne savais pas que j'allais vous revoir ici. Cette ambiance est plus convenable. Ok, chacun trouve son compte. Bien alors, encore ravi de vous revoir. Eh bien, souviens-toi que je t'ai dit qu'à la fin de tout ceci, nous serions amis. Vous l'avez bien dit. Avais-je raison de le dire? Ok, vous aviez raison. Vous aviez raison. Bien sûr, j'avais raison. Vous savez, je me demande pourquoi chaque fois que vous venez ici, vous avez les yeux arrivés sur ce tableau. Je vous observe, vous savez. Ça prouve ce que j'étais en train de dire. Vous avez raison. Oh, chaque fois que je viens dans cette maison, je passe 30 minutes pour rendre hommage à ce chef-d'œuvre. Tu vois, il est très louche, je ne lui fais pas totalement confiance, tu comprends? Ouais. Je ne lui fais pas totalement confiance. Non, commencez pas. Oh, désolé, je disais juste comme ça. Ma chérie, je te propose d'aller sur la piste de danse, je veux... Cette fête est trop vieux, vieux jeu. Oh non, ce n'est pas vrai. Vieux jeu? Vous traitez ma fête de vieux jeu? C'est à... Non. C'est... Commencez pas. Ok. Attends. Comment ça, les années 80? Je ne veux surtout pas qu'on gâche sa fête. Ok, non. Désolé, l'homme des années 80. Très bien, c'est agréable. Ok, allons-y.
Bonsoir, madame. Bonsoir. Je me nomme Monsieur Clément. Et voici mon associé, Teslim. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous avez une journée magnifique.